Salut, c'est Fatal Ordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Xenoblade X, un petit peu particulière parce que c'est une annonce. Comme vous l'avez vu dans le titre, je me suis remis au online sur Xenoblade X. Pourquoi cela ? Déjà pourquoi j'y étais pas avant ? Simplement avant, vous savez que sur mon jeu, j'ai le patch pour les voix japonaises. Le problème c'est qu'avec ce patch, on ne peut pas jouer en ligne. Voilà, il y a un blocage pour éviter les cheats, notamment. Et ce qui m'est arrivé, c'est que ma Wii U a été mise à jour dernièrement. Je ne sais pas exactement quand, ni comment, ni pourquoi. Mais il se trouve que maintenant, ma Wii U est en version 5.5.2, je crois. Et du coup, je ne peux plus utiliser les Homebrew je ne peux plus notamment avoir mon patch des voix japonaises, ni utiliser les cheats pour générer mes équipements, tout ça. Donc ça me complique beaucoup la tâche, et je n'ai plus non plus accès à mes sauvegardes qui utilisaient tout ça. Ça veut dire que ma sauvegarde de 600 heures, mais je l'ai plus. Je pourrais la récupérer si jamais on trouve une faille pour remettre les Homebrew comme avant, mais pour le moment je l'ai plus. Et c'est là que je me dis, heureusement que j'ai fait le choix de ne pas faire la chasse aux tyrans avec les voix japonaises. La chasse aux tyrans est safe, puisque je la joue sur mon jeu vierge, enfin propre quoi, donc voilà. Avec les voix anglaises du coup. Donc pas de problème pour la chasse aux tyrans, mais du coup j'ai perdu toutes mes autres sauvegardes. Et du coup là je suis sur ma partie originelle, celle que j'ai laissée de côté parce que j'avais plus rien, du coup là j'en suis qu'à 300 heures. Et du coup, vu que je n'utilise pas les voix japonaises sur cette sauvegarde, ça veut dire que je peux rejouer en ligne. Et donc, je voulais vous dire que voilà, je vais refaire quelques parties en ligne, histoire de refarmer déjà tout ce que j'ai perdu. Parce que là, j'ai remarqué qu'il me restait que... Enfin, dans cette partie-là, je n'avais que deux inserts potentiels XX. Et c'est tout. Sinon, bon, j'avais quand même mes frontes de nébuleuses que j'ai eu legit, que j'avais farmé je sais plus où, ça j'en suis assez content. J'avais des katana éthers mais rien d'exceptionnel, bon je trouvais celui-là qui est quand même pas mal. J'avais le casque double potentiel mais celui-là c'est un niveau 58 et c'est un lourd en plus. Je crois que je l'avais vendu par mégarde celui que j'avais avant. Et voilà d'autres trucs, j'avais quand même des trucs mais vraiment la grosse partie avec tous mes builds et tout, c'était sur ma version avec les voix japonaises et là j'ai tout perdu. Donc voilà, je vais refaire un petit peu d'online et puis juste comme ça pour m'amuser parce que moi du coup, vu que j'avais pas accès au online, j'ai jamais vraiment pu trop m'y essayer. C'est ce que je vais faire dans les jours qui viennent, voilà, comme ça tranquillement, de temps en temps. Et donc je m'étais dit, si jamais il y a des énergumènes comme moi qui jouent encore au online de Xenoblade X en 2017, pourquoi pas, on pourrait se faire une petite partie ensemble, tout simplement, voilà, se faire un ennemi du monde. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a Telesia qui est là. Il reste encore un jour, apparemment. Donc bon, pourquoi pas. Moi, je l'ai affronté deux fois déjà aujourd'hui, tout seul, parce que personne ne voulait me rejoindre. Ça se fait facilement. Puis voilà, simplement pour jouer avec vous, voilà, si ça vous intéresse. Ça pourrait être sympa. Et puis c'est tout, donc simplement je vous dis salut et à la prochaine.